Le prix du carburant à la pompe ne fait que grimper dans la ville de Mouneditou. Un litre d'essence qui se négocie à 3500 francs revient actuellement à 6000 francs congolais. Une situation consécutive à la rareté du carburant sur le marché qui a pour conséquence la hausse du prix de course interurbaine. Le président de l'association des conducteurs de motocyclistes de la ville de Mouneditou nous en dit un peu plus dans cet élément. Ça a un grand impact sur les transports, vous savez, le carburant arrive à 6 000 francs le litre. Nous, par jour, nous versons des fois 8 000 francs ou 9 000 francs ou 10 000 par rapport aux contrats que nous avons signés avec nos patrons. Alors, ce que moi, je pourrais demander à nos clients, avant de monter sur la moto, vous devez vous convenir avec les montants pour ne pas éviter avec les montants. Parce que vous savez que les montants, c'est le carburant qui fait fonctionner la moto. Puisqu'on retrouve devant un litre d'essence à 6 000 francs, c'est là aussi de coïncider le montant, parce qu'en une version, je fais 9 000 francs. Par durant 6 000 francs, je suis dans les 15 000, comment je vais aussi vivre? Et par là, c'est ça, monsieur, à nos clients, nos chers clients, pour monter ce montant, vous me demandez le prix, c'est pas de la distance que nous allons effectuer. Et puis, je demande à nos patrons d'accepter 5 000 francs comme investissement par jour pour aussi attirer, au lieu que la moto soit. Dans leur maison. Pour éviter tout ça et les prix forfaitaires, c'est alors que je demande à ce patron de moto, donc propriétaire de moto, d'abaisser quand même les versements des parjours. Si nous avons un versement de 5 000 francs, nous allons cesser d'atterrir parce que la circulation, les gens que nous transportons sur la ville de Mouneditou, c'est toujours les mêmes personnes qui montent sur les motos à chaque jour. Nous ne pouvons pas les coincer pour qu'ils puissent effectuer leur distance sans prix par jour.